كان مؤتمر القارات الثلاث أي لاتخي كونتيننتال تتويجا للجهد الذي بذل لجمع الثوريين من القارات الثلاث الذين عانوا من ظلم الإمبريالية أي آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية ظهرت هذه الفكرة في الخمسينيات ولكن تحققت عشر سنوات من بعد في هافانا ما بين الثالث والخامس عشر من جونفي 1966 اجتمع 500 مندوب ممثلين ل 82 بلد من العالم الثالث لتأسيس منظمة التضامن أوسبال ولوضع معالم ثورة عالمية رغم أن تشي كان رمزا لذلك العصر إلا وأنه كان غائبا عن المؤتمر يتجول في العالم بفكرة واحدة وهي التفاف الشعوب حول كفاح مشترك ضد الإمبريالية في عام 1967 بعث برسالة إلى راتخي والتي بقيت إلى الأجيال القادمة يقول فيها علينا بخلق أكثر من فيتنام واحداً انفستيغاكسيون يعود إلى هذا الحدث الذي ارتجف منه الإمبرياليين والذي يمثل بعد خمسين عاما مرحلة أساسية في تاريخ العالم الثالث ولقد استجوبنا سعيد بعمامة وهو مساعد منتظم لدينا في الوقت الذي هو يحضر فيه كتاب يتناول فيه تحضيرات ونتائج مؤتمر القارات الثلاث لاتخي كونتينونتال La Tricontinentale a été un, un congrès des peuples et des mouvements de libération nationale en lutte. Euh, dans la première décennie des années 60, au moment où les indépendances commençaient à être conquises en Afrique, les différents mouvements de libération qui, qui, qui arrivaient au, au pouvoir se rendaient compte que euh, le colonialisme disparaissait, mais que la dépendance ne disparaissait pas, et qu'une des formes de l'oppression était remplacée par une autre forme de l'oppression. Et à ce moment-là, eh bien, force était pour eux de comparer avec d'autres pays qui avaient eu leur indépendance auparavant. C'était les pays d'Amérique latine qui près d'un siècle auparavant avaient acquis leur indépendance, mais qui restaient dans les mêmes formes de dépendance que, ce, que, que, que celles qu'eux découvraient là, en 61, 62, 63, etc. Et donc ça a été le projet de réunir euh, les progressistes, les révolutionnaires, les... Euh, militants qui s'étaient battus pour l'indépendance ou qui se battaient encore pour l'indépendance d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Pour la première fois, euh, on avait euh, des délégués de tous les mouvements de libération, des délégués de ceux qui se battaient dans euh, les maquis euh, d'Amérique latine, de ceux qui se battaient dans les forêts africaines, tous pour le même idéal, euh, se débarrasser de l'impérialisme. Et euh, ça a été bien entendu un projet extrêmement porteur d'espoir, de, euh, c'était exaltant, enthousiasmant. D'un seul coup, tous les dominés qui se battaient chacun contre leur oppresseur se rendaient compte qu'ils avaient une cause commune et que leur oppresseur était commun. Et c'est ce qui va faire de la tricontinentale un moment euh, le, sommet, le sommet des mobilisations de ce XXe siècle euh, en matière de lutte anticoloniale et anti-impérialiste. Alors, c'est un long mouvement, un très long mouvement. La tricontinentale ne naît pas de manière spontanée. Elle est le résultat de décennies d'expérience, de décennies de souffrance, de décennies d'assaut, d'échecs, de, de réoffensives, etc. Euh, c'est l'expérience des peuples qui les conduit à euh, la nécessité de converger, à la nécessité de se coordonner. Euh, on peut remonter les débuts de la tricontinentale, euh, de ce processus qui mène à la tricontinentale, on peut le faire remonter à une initiative du début du XXe siècle, qui est le Congrès international euh, des peuples de Bruxelles en 1927, à l'initiative de l'international communiste qui euh, met en avant l'idée que euh, les révolutionnaires doivent soutenir les indépendances euh, que des, des, des peuples. Que leur propre pays opprime. Et donc, on demande au Parti communiste européen, demande au Parti communiste européen d'arrêter les ambiguïtés et de s'engager ouvertement contre leur, leur propre impérialisme et pour la libération des peuples. Cela va constituer, euh, et donc on va prendre l'initiative de ce congrès. Pour la première fois en 1927, se réunissent euh, des mouvements qui viennent des colonies et des mouvements qui viennent des pays impérialistes. Et euh, dans, ce, 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 dans cette première expérience va naître. Une première organisation qui va être, on peut dire, l'ancêtre de la tricontinentale. Cette première organisation, c'est la Ligue mondiale anti-impérialiste et pour l'émancipation des peuples. Alors, les noms ont varié, mais c'était une Ligue anti-impérialiste mondiale qui va prendre en charge le soutien aux premières révoltes populaires euh, dans les colonies. Euh, la Chine, à l'époque, est encore une, un pays qui est agressé par tous les pays impérialistes, qui se partagent la Chine, et donc il va y avoir une grande campagne de soutien aux nationalistes chinois qui se battent pour l'indépendance de leur pays et qui euh, ensuite se battront pour pour le socialisme en Syrie. Euh, les, le peuple syrien se révolte, euh, et là aussi une campagne internationale est menée. Au Maroc, euh, la révolte d'Abdelkrim el-Khatabi euh, va également bénéficier du soutien. Je le souligne parce qu'il faut mettre cela en comparaison avec euh, l'état des gauches européennes aujourd'hui, où euh, on a moins ce dynamisme et cet engagement franc, franc et net. Il faut se rappeler que pour la Syrie, pour la Chine, pour le Maroc, euh, les gauches européennes en appellent à euh, des grèves de conscrits, à ne pas aller à l'armée. On en appelle à bloquer les trains qui transportent des, des armes. On en appelle à manifester. C'est-à-dire, c'est une action directe. Et, et ce, cette expérience-là va, va jouer euh, dans la maturation des idées nationalistes, dans la maturation des idées de libération nationale. Beaucoup des personnes qui sont jeunes à Bruxelles vont devenir des leaders des indépendances. Euh, à Bruxelles, on retrouve un héros. Euh, qui deviendra euh, un des dirigeants de, de l'Inde et, et, et un des porteurs de, euh, de la dynamique du tiers-monde. On retrouve euh, Messali Hadj qui va fonder euh, bientôt le mouvement nationaliste algérien qui conduira à une des luttes de libération nationale les plus radicaux. On, on, on retrouve toute une série de leaders qui à l'époque ne l'étaient pas encore mais qui deviennent rapidement euh, des, euh, des leaders des luttes de libération nationale. Ce mouvement de solidarité va durer jusqu'aux années 30 et arrive la montée du nazisme arrive la seconde guerre mondiale qui va mettre un peu au second plan euh, les luttes de libération nationale puisqu'il y a un ennemi en face qui est le nazisme euh, et donc la dynamique ne va reprendre qu'en 1945 en 1945 euh, on se retrouve dans une situation dans laquelle le colonialisme est atteint sur, dans ses bases idéologiques puisque le colonialisme comme l'esclavagisme se base sur un postulat idéologique qui est la hiérarchie des races et voilà qu'on ne peut plus parler d'hiérarchie des races puisque on a eu les conséquences de cette politique entre blancs. Auparavant, tant qu on disait les races inférieures, c'était pour les autres. Voilà un blanc qui dit un autre blanc est d'une race inférieure. Ça ne tenait plus. Et donc, idéologiquement, il a fallu, le racisme a dû s'adapter, a dû changer de, changer de forme. Mais les colonisés ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Les colonisés ont entendu les discours sur la dépendance nationale, sur il faut se battre contre l'oppression, etc. Et en 1945, eh bien, ces mêmes colonisés ne peuvent plus croire, ne peuvent plus entendre, ne peuvent plus euh, accepter qu'on tienne ce discours sur la hiérarchie des races. Et seconde dimension surtout, la Seconde Guerre mondiale, c'est la preuve que l'homme blanc n'est pas invincible. C'est-à-dire qu'on voit des hommes blancs pleurer dans les, dans, dans, dans les combats, on voit des hommes blancs souffrir dans les combats, etc. Et, pour, euh, et ça, ça brise ce, ce, ce mythe de la supériorité de l'homme blanc. Et donc le mouvement va s'accélérer. Et on va retrouver... Le fil lié qui relie à Bruxelles, puisque un certain nombre de, lead, de leaders qui étaient à Bruxelles, surtout des leaders africains, vont mettre en place le Congrès de Manchester, qui est le cinquième congrès panafricain de Manchester, qui là va pour la première fois euh, au niveau de tout un continent dire notre revendication c'est l'indépendance totale et s'il n'y a pas euh, si on ne nous accorde pas cette indépendance la seule solution c'est la lutte armée. donc on a une maturation des prises, des, des, des prises de conscience. vont arriver suite à cela un certain nombre de nouveaux combats en particulier en asie avec Dien Bien Phu, avec la victoire de, de Dien Bien Phu, je parle bien de victoire et pas de défaite, puisqu'ici en Europe on parle de défaite, pour nous c'est une victoire, la victoire de Dien Bien Phu qui va de nouveau montrer qu'il est possible de vaincre militairement l'impérialisme. Auparavant on arrivait à le battre idéologiquement, le battre politiquement, là, militairement, il est possible de, 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 de vaincre l'appréhensisme, ça va accélérer l'histoire, ça va accélérer l'histoire, va, on va avoir toutes les indépendances asiatiques, l'Inde, euh, l'Indonésie, etc. Ça, c'est les années 40. Et ces pays indépendants vont se rendre compte qu'ils ont beau avoir un drapeau, qu'ils ont beau avoir un hymne national, eh bien, le marché capitaliste mondial tel qu'il fonctionne, les prix des euh, produits exportés tels qu'ils sont fixés, etc., ne permettent pas une véritable indépendance. Et là, ça va être le second, un, un autre étage de prise de conscience, qui est l'étage de euh, nous ne nous en sortirons pas en ne nous battons que contre le colonialisme. Il faut étendre le combat contre le néocolonialisme, c'est-à-dire contre les politiques économiques, même quand on est indépendant. Ça, ça va bien entendu euh, conduire à Bandung, Bandung qui est une réunion des chefs d'État euh, qui va euh, d'Asie et d'Afrique, euh, qui va donc poser la question un de terminer le processus de décolonisation, donc de soutien aux pays encore colonisés, et deux de combat contre le néocolonialisme. Et là. Par l'intermédiaire d'un certain nombre de penseurs, et en particulier de Mehdi Ben-Barka, le lien avec l'Amérique latine va se faire, et il va se faire sur la base du néocolonialisme, en disant Regardons ce que vivent les pays d'Amérique latine, ils vivent depuis 100 ans, depuis 50 ans, des choses que nous découvrons aujourd'hui, et donc notre avenir, c'est le leur. Si nous, ne, si nous ne nous mobilisons pas, dans 100 ans, nous serons dans la situa situation où ils sont. Et là, l'ouverture à l'Amérique latine va arriver, d'où cette convergence. Afrique, Asie, Amérique latine, ce grand mouvement qui est de dire euh, nous sommes la, la condition pour que l'impérialisme fonctionne, si nos pays se libèrent, l'impérialisme meurt, et donc nous avons à faire converger toutes nos forces pour tuer cet ennemi commun. La tricontinentale, c'est bien le projet de convergence des révolutionnaires d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Les autres endroits du monde sont considérés comme des pays dans lesquels ce, les, ce sont des, considérés comme des pays dominants, des pays qui pratiquent l'impérialisme. Après, il y a le soutien à des mouvements à l'intérieur de ces pays, Alors, parce que la France ne se bat pas pour l'indépendance nationale, aux États-Unis il n'y a pas de combat pour l'indépendance nationale, et donc se pose se pose la question de quelques minorités, et en particulier des Noirs États-Uniens et, euh, et des Indiens euh, aux États-Unis. Et là, la tricontinentale considère que même s'ils ne sont pas géographiquement en Asie, en Afrique et en Amérique latine, ils font partie du combat des trois continents. Et donc, euh, on a une, une analyse politique de, de ce qu'est la tricontinentale, qui est de dire que c'est bien entendu géographiquement euh, délimité, mais avec une exception, certaines luttes des pays euh, dominants dans lesquels il y a une situation particulière. Donc les Noirs des États-Unis sont invités à titre complet à la tricontinentale, alors que par exemple les, les, les Européens sont, ne sont là que comme observateurs. Ils n'ont pas le droit de participer au vote. Les Noirs États-Unis peuvent participer au vote. Donc on a euh, une exception qui est faite pour des mouvements comme, comme, comme le, le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Il y a trois types de conclusions. Un premier type de conclusion, ce sont des conclusions très concrètes des conclusions en termes de solidarité, l'engagement des participants de participer activement, matériellement, militairement, euh, financièrement, euh, à tout à ce qu'on a appelé les questions brûlantes, c'est-à-dire les pays dans lesquels il y avait encore une colonisation directe ou une agression, puisqu'en Amérique latine, il y avait des interventions des États-Unis déjà à cette époque, ou des interventions directes. Euh, et là, bien entendu... Publiquement, on n'a pas donné toutes les décisions, mais un certain nombre de décisions étaient prises pour que euh, ben, ces mouvements soient euh, facilités. Par exemple, on parle de, euh, du devoir des États indépendants progressistes de fournir passeports, papiers, facilités pour que ces mouvements puissent, euh, puissent circuler, etc. On sait après que, par exemple, euh, on a de nombreux euh, révolutionnaires qui ont circulé avec des passeports cubains, algériens, etc. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette idée. Nous sommes au service d'un certain nombre de mouvements. Euh, la tricontinentale pousse sa réflexion jusqu'à l'envoi de volontaires internationaux, en disant le, le peuple qui a besoin de volontaires internationaux, euh, ben nous sommes à sa disposition. Ça ne se mettra, ça se mettra très peu en place, sauf avec Cuba et l'Angola et le Mozambique, etc. Ça se mettra très peu en place. Pour une raison toute simple, c'est que les, les mouvements de libération nationale, leur principal besoin, ça n'est pas des hommes, c'est d'abord des, des armes. Les, généralement, ils avaient les combattants, ils avaient le moins de les moyens, mais les combattants, ils les, ils, ils les avaient. Ça, c'est le premier niveau de décision. Euh, che Guevara, un an après la tricontinentale, envoie un message célèbre qui s'appelle le message au peuple euh, à travers la tricontinentale. Euh, et Che Guevara dit il faut que l'on arrête de soutenir les peuples en lutte comme la plebe soutient le gladiateur, c'est-à-dire comme un spectateur. Et que nous devons donc les soutenir de manière active, en, en y participant, euh, de tous les moyens, de tous les moyens possibles. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est un niveau euh, de propagande. Euh, niveau de propagande, la tricontinentale se donne les moyens de euh, faire connaître la lutte des peuples, euh, en particulier par son journal qui est traduit en quatre langues arabe, espagnol. Euh, français et j'en un anglais. Euh, ces quatre langues tous les quinze jours des analyses des mouvements de libération nationale, des discours de leaders euh, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, des prises de position sur l'état des luttes, des comptes rendus de combat, etc. circulent au travers de ce journal tricontinental qui est lu dans l'ensemble des dans, dans les trois continents. C'est-à-dire que euh, du Maquis de Bolivie jusqu'au maquis de Guinée-Bissau, les gens ont des références communes, ont des lectures communes et le sentiment d'appartenir à un même combat mondial se construit au travers de ça. Ça va durer une vingtaine d'années. Pendant une vingtaine d'années, on va avoir cet effort de propagande. La même chose sur les affiches, la même chose sur le cinéma, on a tout et la même chose sur les publications, euh, la Tricontentale ouvre euh, une maison d'édition avec publication d'un certain nombre d'un certain nombre d'ouvrages. Ça aujourd'hui on l'oublie parce que euh, on n'est pas dedans, mais toute une génération a été formé idéologiquement par l'intermédiaire de cette activité de, de, de propagande. Et puis troisièmement, il y a l'œuvre théorique de la tricontinentale, qui là aussi est, est peu connue. Les résolutions de la tricontinentale, c'est un gros pavé, euh, mais tous les pays du monde sont analysés par des commissions, par les, 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 les congressistes, et on a des analyses sur chacun des pays où il y a des luttes euh, dans, dans, dans le monde, et ça euh, ça chaque, au travers de ces analyses ressortent des éléments programmatiques pour l'avenir, qui sont encore d'une très grande actualité. Je ne prendrai qu'un exemple, la la résolution économique de la tricontinentale qui parle de ce que ce qu'est une indépendance euh, mentionne par exemple la question des dettes nous sommes en 1966 on n'a pas encore connu la pression de la dette des années 70 sur les pays du tiers monde etc mais en 1966 la tricontinentale analyse les mécanismes de la dette et appelle à ne pas payer les dettes bâtardes on est, des, on, on est là bien des années en termes de on est en avance sur la sur la réalité puisque le mécanisme de la dette était à son tout début euh, tricontinentale, euh, dans cette euh, résolution économique analyse tous les mécanismes de dépendance technologique, euh, culturel, euh, au travers du cinéma, au travers des, des des ONG, etc., et appelle à la vigilance par, par rapport à cela. Bref, on a l'apport théorique est, est énorme et non seulement il est énorme, mais euh, ces 500 cerveaux qui ont réfléchi ensemble, c'est une force de frappe théorique énorme euh, et donc ça explique pourquoi ils ont pu anticiper des choses dont on voit les résultats aujourd'hui. Et donc, la tricontinentale, loin d'être un élément du passé, au niveau de ses apports théoriques, est un des éléments du présent. Nous avons encore besoin, en relisant ces résolutions, de, nous, de, de, de ces éléments théoriques qui sont encore d'actualité. J'ai été surpris, en préparant mon livre, de voir en quoi c'était d'une actualité brûlante. Et du coup, on peut comprendre pourquoi il y a un tel silence sur la tricontinentale. Nous sommes au 50e anniversaire, il n'y a quasiment rien de fait, de dit sur la tricontinentale. Euh, je crois que ça n'est pas pour rien. Je crois que beaucoup de militants vivent la le, ont vécu la tricontinentale comme un échec. En se disant, mais notre grand projet, notre grand espoir, il n'a pas réussi. Euh, et qu'il n'y a rien de pire que de, que de voir euh, des moments où on, où on a eu beaucoup d'espoir, où on a mis beaucoup de, de, de notre volonté, où on a mis beaucoup de nos combats. Euh, de le caractériser uniquement sous l'angle de l'échec. Le discours de l'échec, pour moi, fait partie d'une stratégie des grandes puissances. C'est-à-dire que ce n'est pas une stratégie matérialiste. Une stratégie matérialiste regarde les éléments qui ont expliqué pourquoi nous n'avons pas réussi. Mais parler d'échec, c'est renvoyer euh, au projet même de Tricontinental en disant c'était irréaliste et inconsistant. Euh, donc je pense que ça c'est le premier élément. On, quand on parle d'échec, c'est très difficile d'en parler. Donc du coup, on a un silence. Secondo, je pense qu'il y a une, un silence construit et volontaire du côté des médias dominants, du côté euh, de l'histoire euh, des pays occidentaux. Pour eux, la tricontinentale n'a pas existé. Et donc on a un, un silence là-dessus. Et troisième élément, euh, qui a intérêt à parler de la tricontinentale euh, ce sont les mouvements militants et les peuples qui ont intérêt à... Or, ils sont aujourd'hui dans une euh, phase de régression, nous sommes dans, une, dans le creux de la vague, nous sommes dans une phase de contre-révolution, contre et donc, euh, en attendant la nouvelle vague offensive, en attendant de nouvelles forces, qu'une nouvelle jeunesse euh, reprenne le flambeau, eh bien, euh, on a euh, effectivement une faiblesse de transmission de la, mé de, de, de la mémoire. Euh, voilà pour moi les trois raisons qui expliquent pourquoi, pourquoi on en est là, et je pense que euh, euh, la tricontinentale... Ben, les nouvelles générations la redécouvront au fur et à mesure qu'ils qu rentreront de nouveau dans des combats. Et cela est inévitable. Tant qu'il y a oppression, il y a résistance. Tant qu'il y a résistance, il y a offensive. Non, non parce que là, ce sont des leaders qu'on a, qu a assassinés, ce qui, est, ce qui était grave. Mais ça s'inscrivait dans une stratégie plus globale. En réalité, la tricontinentale a fait extrêmement peur au système impérialiste mondial. Et par rapport à la question précédente sur euh, euh, pourquoi euh, est-ce qu'on a échoué, pourquoi on n'en parle, parle pas, euh, je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure de la peur qu'a eu le système impérialiste mondial face à la tricontinentale. Avant même qu'elle euh, qu qu ne s'enclenche, la tricontinentale, avant même le rendez-vous de janvier 66, on commande au Sénat américain un rapport dans lequel on lui demande d'analyser la véritable signification de la tricontinentale. Le rapport euh, qui est rendu est un rapport qui présente la tricontinentale comme le plus grand danger pour la démocratie. Alors, on aura compris que ce qu'ils appellent, eux, la démocratie, c'est leur impérialisme, comme le plus grand danger depuis des décennies. Autrement dit, il y a eu une vraie peur du côté des, des, euh, des classes dominantes de France, des États-Unis, d'Angleterre, etc. Il Et y a eu une vraie peur que ça se traduise en mouvements coordonnés. Il y, y a eu d'autant plus peur. Que la, la stratégie militaire qui est mise en avant par Che Guevara en, 1900, en 1967 dans son message à la tricontinentale, c'est de dire euh, dans le face-à-face, -face, chacun des pays avec l'impérialisme, nous avons perdu. Et lorsque, quand un pays entre dans une phase révolutionnaire, par exemple le Vietnam pour son indépendance face aux États-Unis, eh bien, il est du devoir des autres pays de déclencher des guérillas pour affaiblir, pour que l'adversaire soit obligé de se battre sur plusieurs fronts à la fois. Cette stratégie-là, les États-Unis savent très bien qu'elle peut être, effic qu être efficace. Et donc euh, c'est ça, un, deux, euh, plusieurs Vietnam, tout le monde cite cette phrase, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ne laissons pas un seul Vietnam obligeant les États-Unis à éparpiller ses forces en déclenchant un Vietnam en Amérique latine, un Vietnam en Afrique, qui oblige les forces à s'éparpiller et donc qui construisent le, le rapport de force. Donc, il y a eu une, une vraie peur. Face à cette peur, une stratégie inédite, c'est-à-dire que en termes d'investissement d'argent, en termes de euh, moyens, en termes de techniques. On n'a jamais eu une stratégie aussi globale qui s'est mise en place. D'ailleurs, ils ont créé un organisme qui appelle la trilatérale pour répondre à la tricontinentale. La trilatérale, c'est la réunion des trois grandes puissances occidentales. Et cette dimension, la stratégie, elle va consister en trois grandes, trois grandes aspects. Premier aspect, l'assassinat des leaders. Donc, effectivement, on va considérer qu'il faut tuer un centre de leaders mais ils ne sont pas naïfs ils sont les classes dominantes réfléchissent ils savent très bien que si on se contente d'assassiner des leaders on gagne quelques années mais que d'autres leaders vont émerger que le peuple fera émerger d'autres leaders donc on ne se contente pas de cela. On va être, secondo, sur une stratégie de euh, décapiter les organisations. C'est-à-dire que là, on va décider d'une euh, terreur de masse contre un certain nombre d'organisations. C'est traduit dans des plans militaires, le plan Condor, etc., avec l'appui euh, euh, des fascistes d'un certain nombre de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, où il s'agit de non pas seulement tuer des leaders, mais de décapiter la base militante d'un certain nombre de, d'organisations. Et on va, troisi troisièmement, mais même, même ça, ils, ils savent très bien que ça n'est que momentané, qu'ils peuvent gagner 6 euh, mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, mais que d'autres euh, militants vont émerger. Et donc, c'est la campagne idéologique qui va être, euh, sur le long terme, leur arme principale. Campagne idéologique, comment Ils vont multiplier les initiatives. On va avoir le développement de stages syndicaux offerts, euh, avec des voyages aux États-Unis, des voyages en Europe, pour former soi-disant les leaders syndicaux, qui sont bien entendu euh, organisés, par des, des syndicats fantoches ici, mais qui donnent l'illusion des syndiqués. Donc on va avoir euh, des syndicats américains qui vont inviter des syndicalistes d'Amérique latine, des syndicalistes d'Afrique, d'Asie, pour venir aux États-Unis, en Europe, se former. On va avoir euh, le développement des ONG, des, des premières ONG, qui sont des ONG qui, en réalité, visent à éviter l'émergence de forces révolutionnaires. On va avoir... Toute une série d'outils de ce type-là, force pour la paix. Enfin, on va avoir toute une série de mouvements qui vont qui vont se mettre en place et qui ont pour vocation de euh, saper la radicalisation des mouvements de libération nationale. Le cumul de ces trois choses, plus la pression économique, mais qui existait déjà. Le cumul de ces trois choses, décapiter en tuant les leaders. Euh, euh, détruire les organisations en euh, effectuant une terreur de masse auprès des militants. Et troisièmement, campagne idéologique. Eh bien, malheureusement, ça, ça, ré ça réussit. Ça a réussi aussi parce que personne ne pouvait imaginer une telle campagne. On connaissait la barbarie de l'impérialisme, mais là, c'était au-delà de la barbarie. C'était un plan stratégique extrêmement sophistiqué. Je pense que dorénavant, avec cette expérience-là, euh, la future phase du combat contre l'impérialisme ben, sera plus solide parce qu'elle peut repartir de cette expérience-là. Quand, quand un individu, un groupe ou un peuple est opprimé, quand un individu, un, un groupe social ou un peuple euh, est, est humilié, ça se traduit de deux manières possibles. Soit il va être dans une stratégie dans laquelle il connaît la cible. Il repère la cible parce qu'il a les outils théoriques, les outils idéologiques, les organisations qui l'encadrent là-dessus, les leaders qui théorisent la réalité et toute sa colère, toute sa... va s'orienter vers une cible qui est la véritable cause de ses problèmes. Dans une situation où on n'a pas tous ces éléments-là, c'est exactement ce qu'on dé... qu détruit justement la trilatérale et les stratégies impérialistes. Cette oppression, cette violence vécue, va se re... recherche un endroit où se poser. Et comme on n'a pas d'organisation, comme on n'a pas d'idéologie qui oriente, elle va se poser n'importe où. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le nihilisme, c'est le résultat d'une révolte réelle, légitime, mais qui se trompe de cible parce qu'il n'y a pas de canal d'expression pour l'analyser, l'encadrer, euh, l'organiser. Et euh, bien entendu, ça c'est au niveau des personnes qui s'engagent là-dedans. Après, il y a ceux qui instrumentalisent cela. Et là, les grandes puissances ont intérêt. À ce que cette révolte ne s'oriente pas vers de, une nouvelle phase révolutionnaire, mais qu'elle s'oriente vers du nihilisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une complicité, une, une complicité objective euh, et, dans certains endroits, euh, directe entre les grandes puissances et ce type de, de mouvement. S'il n'y avait pas ce type de mouvement, euh, la révolte risquerait de s'orienter vers l'anti-impérialisme. Et ça, bah, bien entendu, ils ne le veulent pas. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a des liens directs entre par exemple les États-Unis et certains groupes qui se disent anti-occidentaux et qui en réalité ne sont que des outils euh, que, que des outils de la stratégie impérialiste. Moi je pense qu'il faut euh, vraiment euh, redécouvrir l'ambiance, la, c'est-à-dire ce sentiment de fraternité des dominés et le contenu. Et par conséquent, je pense qu'un certain nombre d'initiatives euh, pourraient être prises de préférence dans un pays du tiers monde. Euh, je pense à, à l'idée d'une conférence euh, internationale. Alors bien sûr, ça ne prendra pas la forme de la tricontinentale, nous n'en avons ni les forces ni les moyens. Mais si, des, euh, si même deux, trois pays d'Asie, euh, deux, trois mouvements militants d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine parvenaient ensemble à s'organiser pour une conférence dans laquelle on pourrait réfléchir euh, à quel, euh, comment reprendre ce, le flambeau, je pense que ce serait un grand pas en avant. Nous avons, dans, nous avons encore aujourd'hui des mouvements militants, radicaux, en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Il n'y a pas besoin de réunir comme la Tricontinentale 500 délégués. Il y aurait besoin d'en réunir 50, 60, 70. Et ne cherchons pas l'exhaustivité, cherchons juste à créer un événement qui recrée une dynamique. Voilà, donc euh, comme c'est sous forme vidéo, je lance un appel. Si euh, un pays d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine euh, peut nous accueillir, bah, je pense qu'on pourrait. Euh, réenclencher quelque chose, ne serait-ce que pour dire, ça n'est plus chacun de notre, dans notre coin que nous travaillons la mémoire de la tricontinentale, nous voulons, comme c'est la tricontinentale, la travailler de manière tricontinentale. Je pense que ce serait un grand pas en avant.